un paquet d'années, quand les types du gouvernement ils voulaient réaménager une partie d'un quartier, eh ben ils expulsaient les gens de chez eux. Pour ça, ils envoyaient les équipes de gros bras sans cervelle. Eh ben les types du LMP, ils font exactement la même chose. Y'a un groupe là, les squads Javelot, je sais pas quoi, qui sème la terreur dans le quartier. Et sans votre aide, les habitants vont pas pouvoir faire grand chose. Vous irez au paradis. C'est le ciel qui vous envoie. Une minute, je vais voir ce qui se passe. J'ai de buté ! On stresse pas, je m'en vais. Tango repéré ! Tango repéré ! De la manière dont vous avez géré la situation. Et moi, je dois avouer que c'était pas trop mal.
terminé. Un bon JTF, c'est un JTF mort. La zone est sous contrôle. J'ai hâte qu'on termine ces nettoyeurs. Nettoyeurs, reste à l'écart. Ces nettoyeurs, ils ont un truc qui tourne pas rond. La seule chose qui m'obligerait à partir d'ici, c'est la faim. Pour survivre, faut aller là où il y a à manger. J'imagine que c'est pour ça que le LMB compte récupérer notre chargement de provisions. Ils ont peut-être pas beaucoup de nourriture non plus, mais c'est pas une raison pour nous voler la nôtre. Alors si vous pouviez les empêcher de nous emmerder... J'aimerais être sur le terrain. Je peux sûrement vous aider. J'étais agent de sécurité avant. Ah ouais ? Laissez jamais les bras. Il loupe quelque chose là. Y a quelque chose qui te plaît ? Au revoir.
On peut pas faire moins cher que ça. Désolé, c'est pas du filet mignon, mais... Allez, à plus tard. Vous avez un grand cœur. T'es sérieux? Pourquoi? À ton avis, les cadavres sont difficiles. Je veux savoir ce que vous faites. Ça y est, on est bon? Balise d'écho actif détectée. Oh, vous emballez pas. Je m'en vais, vous inquiétez pas.
Sérieusement, qu'est-ce que vous croyez que ça va changer? C'est une précaution nécessaire qui nous aide à contrôler la situation. On a suffisamment de choses à gérer comme ça. Mais pourquoi vous empêchez les gens de passer? Vous voyez pas qu'on veut quitter la ville pour retrouver nos familles? Le plan de transfert sera bientôt réévalué, mais pour l'instant, les mesures de confinement sont maintenues. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai du travail. Si j'étais vous, j'arrêterais de chercher des ennuis et j'irais m'assurer que ma famille est en sécurité. Ça sert à rien. Où qu'on aille, c'est la merde. S'il te plaît, Jim, c'est un effort. On dirait que t'es déjà à moitié mort. Aaron Kinner, le fils prodigue de la première vague. En temps normal, je ferais ça en face à face, mais je suis jamais sûr à 100% de ce que tu vas faire. Tu agis d'une certaine manière quand Madame Lowe te regarde, et puis d'une manière complètement différente quand elle retire ta laisse. C'est plutôt intéressant comme contradiction. Je pense qu'au fond, tu as déjà tout compris. Les vieilles règles, les lois, le gouvernement, tous ces trucs sont morts le jour du Black Friday. Alors les SMP, les évadés de prison, ceux qui sont suffisamment forts et intelligents pour prendre ce qu'il leur faut, ils survivront. Mais moi, je compte bien prospérer.
Toi aussi, tu pourrais prospérer, mais tu as prêté serment, n'est-ce pas? Tu as un devoir à accomplir. En gros, tu te fais baiser par ta conscience. Mais pose-toi la question. Qui a encore le droit de te dire ce que tu as à faire? Tu sais combien d'agents sont morts pour tenir la Dark Zone? Tout ça pour que l'état-major abandonne et construise un mur tout autour? Si tu me crois pas, va jeter un œil par toi-même. Tu verras bien. Les gens pour qui tu travailles, ils servent plus à rien. Amherst a changé les règles du jeu, et j'ai bien l'intention de gagner la partie. J'ai Tchernenko, une imprimante à ADN et un gros livre de recettes. Les règles maintenant, c'est moi qui les écris. Réfléchis à comment tirer profit de tout ça, toi aussi. Bonjour chez vous. Agent, les informations que vous avez trouvées dans ce labo étaient la pièce manquante du puzzle. Je crois qu'on va pouvoir vaincre cette saloperie. Et on a quelqu'un qui est revenu d'entre les morts. Écoutez ce qu'Amherst a à nous dire. Ce que vous voyez là, c'est le virus de la variole. L'un des pathogènes les plus mortels au monde. Pendant des siècles, il a contribué très efficacement à contrôler la population humaine. Mais évidemment, les temps changent. Et parfois, Dame Nature a besoin d'un petit coup de pouce pour améliorer ses créations. Par exemple, pour les accélérer. Ou bien alors, les rendre encore plus contagieuses. Ou plus mortelles. Je n'ai pas développé cette approche tout seul. Mon ami Vitali est un véritable pionnier dans ce domaine. Et l'idée de déconstruire le génome existe depuis des années. Vous voyez, après avoir numérisé l'ADN du pathogène, nous l'avons rendu mutable à l'infini. Nous pouvions créer des milliers de variantes virtuelles dans le même temps qu'il fallait auparavant pour amener à maturité une seule génération en conditions de labo. Nous pouvions choisir les combinaisons les plus efficaces et les concrétiser. C'est comme ça qu'on fabrique un virus tueur. Vous mélangez le code génétique d'autres maladies et vous augmentez la létalité et la virulence au maximum. Idéalement, je visais un taux de létalité de 90%. Je ne suis pas sûr que mon poison vert l'atteigne, mais honnêtement, ce n'est qu'un détail. Tant que la majeure partie de l'humanité disparaît, la planète garde une chance de s'en sortir. En théorie, c'est la technologie qui tue la planète. Mais le véritable problème, c'est que la cupidité est le moteur de la technologie. Sauf qu'il s'est passé quelque chose d'amusant avec toutes ces cartes du génome et ces belles imprimantes 3D. Quelqu'un s'est rendu compte que ces technologies pouvaient être utilisées à meilleur escient. Moi. Maintenant, mon virus va faire ce que la nature a toujours fait. Décider de qui doit vivre ou mourir. Et s'il décide que je dois mourir, je mourrai. Mais si c'est le cas, je ne serai pas seul. Il aura suffi d'une sélection naturelle de pointe et d'un soupçon de manipulation génétique contre nature. Ce ne sont que des données, après tout. La vie n'est qu'un agencement de données. De la même manière que j'ai pu agencer le génome de la variole sur mon ordinateur. Et qui peut affirmer que ce n'est pas ce que la nature souhaite? Alors, si par miracle vous survivez au poison vert, c'est qu'elle a décidé que vous méritez de vivre. Quant aux autres, non, aucune chance. Alors mes amis, rendez-vous en enfer.